What the fuck? Pourquoi ça glisse comme ça? Arrête-toi. Oh merde! Alors là, c'est une branche! Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir Construction Simulator. Il vient de sortir, enfin il sort dans deux jours, mais du coup je l'ai testé en live. Et on va faire une nouvelle série, donc j'espère que ça va vous faire kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et puis du coup, les amis, on est parti. Allez, on lance Construction Simulator, on découvre le jeu. J'avoue, jamais testé, donc on regarde ce que ça donne. Le jeu sort le 20, donc du coup, un jeu de simulation de chantier, donc c'est carrément du TP1. Choisir son personnage. Couleur des EPI. Oh, ça me rappelle mes cours EPI, équipement de protection individuelle. Impeccable. Voilà, c'est bon, j'ai mon autocollant. Alors, nom du joueur, mon nom c'est Stelvio. Ça part en Europe? Ça part en Europe. Allez, on part en Europe, let's go. Nom de l'entreprise, la CRTP? C'est logique, non? Suivez les marqueurs et parlez à Ape. 25 mètres, il faut aller là-bas. Ok, Ape, que veux-tu me dire? Il y a eu un éboulement au pont qui mène au village. Nous devons aller là-bas et dégager la route. Ok. Petit camion sympa. Et du coup, là, il y a eu un orage, c'est ça, il n'y a plus d'électricité. Et la seule façon de s'éclairer, c'est avec ça. Ouais, les camions sont pas dégueux. Eh, c'est une intervention, donc gyrophare, phare on off. Let's go, on est prêt. C'est parti! Merde, mes touches fonctionnent pas. La touche pour tourner, c'est. What the fuck? Pourquoi ça glisse comme ça? Et vu intérieur, c'est bien ou pas? Ouais, vu extérieur, c'est bien aussi. Hein. Attends, on peut drifter? What? Eh, il y aurait ça sur Farming, les amis, ce serait incroyable. Hein. Alors je conduis un peu comme une brelle. Donc là il faut qu'on aille du coup faut aller jusqu'à l'éboulement. Mais mec ça drift. Alors il y a des branches partout sur la route et tout. On va tester comme la vue intérieure. Par contre du coup il n'y a pas de volant. Enfin en tout cas j'ai pas réglé le volant. Peut-être qu'il y a un volant mais je ne pense pas. Hop là, bonjour. Ouais, des branches par contre. Mais what, il y a des branches partout sur la route. C'est vraiment la tempête. Et tout est plongé dans le noir quoi. Ok, bon écoutez, on y va. Bah on est arrivé. Allumons le générateur mobile. Allez, mets le contact. Ah je crois qu'il y avait l'animation. Oh oui. Ah bah, le bras il est passé à travers du truc. Oh incroyable la lumière. On va éteindre le camion hein. Donc c'est F, lumière, éteint toutes les lumières. Voilà, c'est qui lui? Salut mec. Les charges sur pneus conviennent au chargement de grosses quantités de matériaux en tas tels de la terre. Le gravier ou le sable. Donc là les agents. Ok donc là en fait il faut que ça nous dit qu'est-ce que c'est une chargeuse quoi. Mais on sait ce que c'est. Charger le volume. Du coup on peut creuser absolument partout. C'est comme farming mais en 15 fois mieux. Approchez-vous d'abord du matériau en tas avec la chargeuse sur pneu pour élever et abaisser la flèche. Ok bon ça d'accord. Après il faut charger le volume, décharger le volume dans le camion et aplanir une surface avec la flèche du bas inclinée. Ah bah ok en fait il faut qu'on fasse des trous et qu'on fasse tout plat quoi. D'accord. Carte, menu constiel, entrée sortir, vue construction. Je sais pas comment ça marche, mais on y va. Comment on lève? Ah, on lève avec les flèches. Ah ouais, c'est pas avec la souris. Bon, il va falloir qu'on joue avec mes touches, mais on va tester comme ça pour l'instant. Arrête-toi. Par contre, si on allumait les phares, ce serait peut-être mieux, non? Phare, c'était F, hein. Voilà, lumière, phare, impeccable. Ah, c'est stylé quand même. Mais par contre, c'est les ombres et tout, c'est ça que je trouve le plus beau. Oh, je suis en train de défoncer le tas, par contre. Oh, les orages en fond, c'est grave stylé. Décharge la terre dans la zone indiquée à côté de la chaussée. Fallait vider là en fait depuis tout à l'heure. Dis les consignes, Ster. Oui, désolé. Allez, on va aller voir là-bas, mon petit tas. Allez, vide-moi ça. Ça dégage. Il coûte combien? Alors, le jeu, du coup, il sort le 20. Donc, du coup, c'est dans deux jours. Et il coûte, je crois que c'est 35 euros si je me trompe pas. Et j'ai pas fini, mais il me dit d'aller voir Ape. Alors, bon, je vais aller voir Ape. Oh l'ombre, oh, incroyable, l'ombre qu'on voit là. Bon, Ape, dis-moi ce qu'il faut faire là. Le système de réfrigération du supermarché du local est en panne. Il y a un générateur mobile dans la zone de chargement du camion plateau. Nous devons l'amener au supermarché aussi vite que possible pour faire redémarrer. Ah oui d'accord. C'est quoi ça? Oh, j'ai débloqué un succès. Ah bah ok, le supermarché est juste à côté. Je viens vous apporter de l'électricité. Par contre, il faudra me donner du gasoil. Hop, il y a une vue construction. Ah ouais, tu vois tout ce qui se passe. La station, mon truc. Ah ouais, tu vois tout. La grue. Eh les gars, c'est le jour où on va utiliser cette grue. Ça va être insane. Ok, là on allonge le bras, on tourne comme jamais. Oh putain, ça balance. Ah ouais, mais c'est bien fait. Hein. On baisse ça. Voilà, on y est, espace. C'est bon, allume le générateur. Donc là, on allume le générateur et là, attention. Oh bah voilà, impeccable. Le carrefour, il a le maximal. Lampadaire a déchiré le toit et a dû endommager des lignes en passant. On a besoin d'un nouveau bardage. Enlever le lampadaire cassé. Ah, je pense qu'il faut l'accrocher avec ça. Bon, ça va loin le truc. Ok, nous y sommes. Et là, genre vraiment, ça se lève. Là. Incroyable. C'est trop. Doucement. Mais du coup, faut le mettre où? Ah, faut le mettre là. Je suis trop con. Il y avait une zone pour le mettre. On est bon. Bref, ça, c'est bon. Il faut aller au vendeur. Est-ce qu'il y a une carte? Impeccable, il y a une carte. Donc, qu'est-ce qu'il y a de beau? On a le parc industriel, les zones industrielles, les zones. En vrai, et tous les points là, c'est des missions. Lui, on découvre. Ah, faut qu'on aille découvrir des lieux. Ok. Donc là, notre dépôt est là. Et nous, faut qu'on aille là. Bon, écoutez, nous sommes partis. Alors, nous suivons le GPS. C'est parti. Regardez, on peut drifter. Non. Merde, j'ai niqué le bordel. Je pensais que ça passait. Ça drifte vraiment par contre.
Wouhou! Alors là, c'est une branche. Je vous promets que c'est une branche. Elle m'a fait dévier. Ça m'a fait sauter mon véhicule. Bonjour, je viens me garer. Oh, on a un petit Fenwick. On a un Fenwick. Les gars, on prend le charou élévateur. C'est bien. Allez, on charge notre petit matériau. Doucement. Wouhou! Oh, ça tourne de moins en moins vite, plus tu vas vite. On dirait que j'ai explosé le truc. Allez, hop. Allez, on y va. On est bon. Ah, on baisse. Allez, merci. C'est ciao. Oh, les pompiers. Bah, ils sont où? C'est... Bon, y a pas de pompiers. Impeccable. Bienvenue à tous dans ce jeu. Aujourd'hui, vous allez apprendre à manier le Manitou. Et c'est parti. Changer de mode. Bam, la grue, on la déploie. Let's go. J'ai dit let's go. Oh! Hop, on tourne la grue. Ça, on le chope. Non, c'est bon, il est bien mis. Let's go! Wouhou! On est bon. Hop là. Alors, maintenant, il faut. Ouah, les orages! Oh bah, j'ai garé ma voiture ici. Hey, peu, j'arrive! J'arrive! Le directeur du supermarché est content et nous avons. J'ai pas les flemmes de lire. C'est dommage que, en fait, les missions, elles se terminent si rapidement. Allez, let's go, on repart. Le drift contrôlé. Oh merde! Oh merde! Mais c'est d'où un trottoir et un panneau font ça? What? Ah, j'ai pété le camion d'entreprise. Oh, et les keufs, on va rouler correctement. Ah, mais je suis con, il m'aime bien parce que c'est moi qui répare la ville. Là, on va commencer à creuser. Là, ça va être bien, là. Ah ouais, il y a une voiture qui est tombée. Ah, mais c'est ça qu'il disait, une voiture est tombée dans un truc. Les lumières sont de retour, il semblerait que la ligne électrique soit réparée et que le village est de nouveau du courant. Mais c'est parfait. Parlez avec Ape. Il est toujours là, lui. Il est où, Ape? Bah, il est là-bas. Salut, Ape. Bienvenue à toi. Qui veut une chocolatine? Nous devons récupérer la voiture et le tuyau cassé de la fosse d'excavation. Charger le véhicule accidenté. Ah ouais. Ah donc là, faut qu'on prenne la bagnole. C'est quoi cette bagnole? C'est pas une... C'est pas cette caisse. Là, c'est pas... Bon, y a pas vraiment de marque. Et du coup, regardez les graphismes. Regardez comment le sol est fait. On va changer de mode. Et maintenant, on prend la grue. Et on va changer la voiture à l'intérieur. Et je commence à... Regardez comment je gère. Je déploie cette grue, mon gars. Il avait dû y avoir 2-3 grammes dans le sang, là. Oh, ouais, mais c'est bien fait. Ça met les sangles et tout, il n'y a pas de bug. En mode, tu t'accroches, les véhicules, bam, ils tournent. Bam. Ok, on est bon. Et on est parti. Là, il faut qu'on aille où? Charger la conduite de gaz. Et dans l'histoire, l'excavatrice, on peut la conduire ou pas? Parce que j'ai rien testé en fait. Ah ouais, on peut tester. Ah ouais, 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 ouais. Alors, comment ça marche par contre? Donc, on va faire comme ça. Ça dégage. On descend. Et on va choper ça avec le camion, ça sera peut-être plus simple. On est bon. On éloigne le bras. Tac. Comment je lève mon bras, moi? Ouais, mais du coup, on peut pas choper avec ça. Non, on peut pas choper avec ça. Ok, donc on va faire comme ça. Ça dégage. On descend. Et on va choper ça avec le camion. Ça sera peut-être plus simple. Déploie-toi. On est bon. On éloigne le bras. Il faut la charger dans... Bah oui, il faut la charger là. Là, il faut baisser le bras. Et baisser un peu ça. Voilà. Là, on est bon. Et on est parti. Let's go. Ah, mais on est où là? Ah, on a la casse là, non? On a la casse. Allez, on décharge la bagnole. Hop là. Ah, et je gère, hein. Regardez, en un live, bam, je prends la bagnole. Hop, on tourne. Non, on tourne. Oup là. Ça m'a l'air sympa en vrai. Allez, mais bouge, j'arrive pas. Pose la canalisation. Voilà, c'est bon. Hein? Ah, il faut prendre une nouvelle. Ok. Bam. Voilà, on est bon. Allez, nous on s'en va. On part avec notre vieille petite canalisation. On va pas aller loin, mais on y va. Est-ce que vous pensez qu'on se renverse? Mais gros, ça tourne bien, mais pas trop quand même. Eh hey gros, je fais des trucs contrôlés, mais un peu mal fait. Hein. Vraiment, la voiture a arraché beaucoup de terre dans la fosse. Toute construction montée dans la pelle hydraulique et nettoyer la fosse. C'est y part. Nous, on va dans la pelle mécanique. Ok, alors comment ça marche? Donc là, si je fais S. Décharge dans la zone indiquée. Ah, mais là, c'est un peu loin, je me suis mis trop loin. Je suis un peu teuteux là. Bah, c'est la pelle qui me bloque là? Bah ouais, je suis bloqué par un truc invisible. Je vais me mettre un peu plus près. Merde, j'ai ma canalisation. Ah bah attends, mais qu'est-ce que je fais? J'ai ma canalisation. Faut que je la décharge ou j'en fais quoi de ma canalisation là? Escaver la zone. Bah attendez, mais si j'escave la zone, bah y avoir un problème, non? Je suis trop con. C'est tombé à côté. Et j'ai fait du dawa. Attendez, on va refaire correctement. Allez, mais ramène-toi le bras. Pourquoi j'arrive pas à creuser? Ah bah voilà. Oh putain, ça y est. Ok, c'est bon, j'ai creusé. Wouh! Ok, maintenant on tourne à droite. Là. Ah mais en fait je suis pas très proche. Ah voilà. Ouh. Mais j'arrive pas à creuser.
Ok. Ah, c'est terminé, qu'est-ce que tu fais? Bon, écoutez, on va y arriver. Ok. Allez, on revient ce côté. Ouais, vue intérieure. C'est stylé, vue intérieure, mais faut s'y faire. Hein. Ah, yes, c'est bon choix. Ok, enfin. Les conduites de gaz endommagées peuvent être... j'ai pas lu, mais oui. Un remblai. La partie de la voie là-bas a été emportée. Un truc de chemin de fer qui a été emporté. On se rejoint là-bas dans une minute, oui. Donc là, on a fini la mission, non? Allez, go! On s'en va. Ah bah, c'est juste à côté qu'il faut aller. Il faut aller juste à côté. Je pense qu'il faut aller récupérer des plots, non? C'est pas ça qu'ils disent. Ah, c'est là. Ah, il y a un problème ici. Ah ouais, il va falloir qu'on fasse des trucs sur le chemin de fer et tout. Ah ouais, ça va être un vrai truc, là. Bah, faut lui parler ou pas? Nettoyer la jeune G. Quoi? C'est tout? Ok. Ravitailler l'engin de construction en carburant. Donc là, on prend le petit camion. Ah, il fait jour d'ailleurs. On prend le camion. Attendez, je vais drifter, mais doucement quand même. Je l'ai dit doucement, c'est doucement. Oh merde, mais. Oh, j'ai foncé là. Oh, la voix. La voiture, elle a du son. Il y a un petit personnage dans la cabine. Alors là, on arrive ici. Arrête-toi. Ah, mais en fait, c'est mon camion qui n'a plus de gasoil. D'accord. Du coup, T, carburant. Let's go. Donc là, bon, ah ouais, ça se remplit en bas. Regardez. Conduire jusqu'à la gravière. Ok. Allez, let's go. Oh, c'est joli les effets de lumière là. Ah oui, le jeu est beau là. Alors on arrive. En vrai, la map est quand même grande. Hein. Là, il y a quand même de quoi faire des trucs pas mal. Des vrais chantiers et tout. C'est une blague là. J'ai freiné. Mais non, mais toi, mais vas-y. Mais et mon véhicule, je dirais, je l'avais réparé. Ils disent pas qu'il est cassé, c'est bon. Non, en vrai, ça reste vert, c'est bon. La gravière découverte. Extraction. Allez, on remplit. Oh. On remplit. Oh, quoi, ça peut déborder? Ouais, vas-y, je remplis. Hein. Allez, c'est plein. On s'en va. Est-ce qu'il galère plus à avancer? Ouais. Genre, est-ce que si on tourne vite, ça tombe, genre, ça tombe, tu vois? Oh, ah ouais! Et ça avance pas. Ah ouais, regardez là. Ah ouais, mais c'est beau. Le jeu est beau. En vrai, je suis au graphisme max, mais même si vous avez un petit PC, je suis sûr que ça peut le faire. Oh, le ciel aussi, c'est joli. C'est super beau. Les reflets, regardez, on voit... Le gravier qui reflète et tout, non franchement. Bon, je suis à 90 là, il n'y a pas d'limitation de vitesse, hein, je vous le dis. Waouh, on voit blanc, c'est tout blanc. Je vois pas où je roule, hein. Je ne vois pas où je roule. Ah, on voit mieux comme ça. Mais je sais pas. Bon, du coup, c'est pas éclair. Regardez, c'est pas la souris comme farming, là, il faut cliquer. En fait, tu vois, il faut cliquer pour changer sa caméra. Et quand tu lâches, hop, ta souris devient normale. Donc, c'est un petit détail, mais bon. Alors, décharge sur la zone indiquée. Alors, on va essayer quand même de faire un truc bien. Bip, j'arrive. Et si on n'ouvre pas la porte? Ah, si, c'est bon. Faut décharger tout ou pas? Là, il faut dégager la zone. Bah, du coup, go prendre ça, non? Faut faire quoi en fait là? C'est ça qu'il fallait faire. Bouche de camion. Ah, pardon. Je vais en vider hein, quand même. J'ai peur d'avoir tout pris. Voilà, comme ça au moins. C'est stylé comment ça coule. Oh, les avions. Oh, vous avez vu? Donc, nous récupérons ça. C'est Ipar. Alors. Remplis le lit de voie. Et mon godet, du coup, il est pas vide. Ouais, mon godet n'est pas vide. On va se mettre en vue intérieure. Ah, le son est plus fort en vue intérieure. Bien. Ah, le son est bien fait par contre. Hein. Alors là, du coup, je suis pas aligné, mais logiquement, si je fais ça, c'est bon. Chargement mon godet. Voilà. Là, mon gars, c'est chargé. Ah, voilà. C'est de la terre que j'avais mis, c'est bizarre. Normalement, là, ça va être bon, là. Impeccable. Dégagez la zone indiquée. Je dégage. Mais dis pas que le train passe. Ouais, bon. En vrai, bon, le train passe pas 30 secondes après. Genre, il y a déjà tous les trucs des rails qui sont montés et tout. On va au dépôt, je pense qu'on ramène tout au dépôt et on sera bon. Oh, stylé, c'est RTP. Incroyable. Voici mes bureaux. Écoute, la nuit dernière, j'ai réalisé que je me faisais trop vieux pour ce métier. Après que tu aies démontré de manière impressionnante, donc tu étais capable, je commence à penser que tu pourrais reprendre ma boîte. C'est d'accord? Bah, si tu dis non, ça fait quoi? Nous allons donc acheter l'entreprise. Cet RTP va devenir à nous. Tu vis au jour le jour et le lendemain tu possèdes une entreprise. Et bien, y a pas de souci. Y a pas de souci, mon gars. Très bien. Cet RTP est donc à nous. Le sondage pour l'instant c'est. Ouais. Construction Simulator 51%, ETS de 36% et Train Simulator 14%. Donc là pour l'instant vous préférez plutôt Construction Simulator que. Le décor est magnifique, je kiffe. Incroyable les gars, merci à vous, ça fait grave plaisir. Ce n'est pas un fond vert, c'est bien du décor. Et voilà. À demain ou très bientôt. Voilà, allez, bonne nuit les gars, maximum de cœur dans le chat. Et bonne nuit à ceux qui ont cours demain, bonne chance à vous ou ceux qui travaillent. Allez, ciao les gars!